Les samedis 13 et dimanche 14 novembre 2021 auront été inoubliables pour Jean-Paul Kouadio et Afuele Akoli. Et pour cause, après un premier contact en 2004 à Abidjan, ils ont scellé officiellement leur union devant Dieu et les hommes à Lakota. Le mariage du couple Kouadio en cette fin d'année a été la plus grande cérémonie festive en pays d'Ida, réunissant d'importantes personnalités administratives et ecclésiastiques. C'est à la mairie de Lakota que tout a débuté dès 8h le samedi 13 novembre 2021. Tout y a été soigneusement préparé pour la circonstance. Par amis et connaissances ont répondu massivement à l'invitation de Jean-Paul Kouadio et Afuele Akoli pour être témoins de l'officialisation administrative de leur réunion. Les heureux du jour ont été accueillis et installés dans la salle de mariage de l'hôtel de ville dans une très grande ambiance sous la conduite d'une fanfare.
Le premier agent au maire de Lakota, l'officiant du mariage, a ensuite fait son entrée dans cette même ambiance de fête. Kwadio Kuna a dès sa prise de parole fait rire toute la salle en s'opposant à cette union de Jean-Paul Kwadio et à Fouéléa Koli. Une intervention comique faisant ressortir le sens de l'alliance Baoulé-Agni car un côté du marié est Agni. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis ce matin pour le mariage entre M. Jean-Paul Kwadio, infirmier d'État, et Mademoiselle Afouéléa Koli, institutrice. La personne se désigne et nous donne les raisons légales de son opposition. Sinon, que tout le monde se taise afin que la cérémonie puisse débuter et aller à son terme. Je vous remercie. Il s'agit de M. Kwadio Konan, premier agent au maire, officier d'état civil, célébrant du jour. Oui. Je m'oppose au mariage, donc si vous permettez, je vais me retirer. Il n'y a pas quelqu'un. Pardon d'embouche comme ça. Oui, madame. Voilà une vraie femme Annie. Voilà une vraie femme Annie. Venez, venez madame. Venez. Bien, alors elle vient de me remettre une grosse enveloppe de 1 million. 10 millions. Bon, j'ai mal compté, elle dit c'est 10 millions. Bon, d'accord, merci madame. Merci. Bref, merci. Je suis Kwadio Konan, premier agent au maire, officier d'état civil. Je suis assisté de Miss Kofi, Mireille Kofi. Et puis, j'ai le soutien de mon collègue, M. Théi Diaby, troisième agent au maire qui est en blanc. Il s'en est suivi une présentation des invités avant l'officialisation du mariage, un moment d'engagement pour le meilleur et le pire. Je salue également maman Yao Akissi Béatrice, la mère du marié, qui nous est venue d'Abidjan. Docteur Ouattara Seydou, DD Santé Lakota. Oui. Qui est le supérieur hiérarchique du marié. Mesdames et messieurs, les infirmiers, sages-femmes, techniciens de santé qui sont collègues du marié. Voilà, je crois que c'est eux qui sont en bleu là. Merci. Monsieur Atobra Assalé François et Monsieur Ebi Siméon, policier haïtien, Kwaku Kwadio Laurent, infirmier à Danoa. Kwadio Amoy Odette, sage-femme venue de Guitry, Kwame Lopez, planteur à Ndoussi, Boudé Nzin Kwasi et son épouse Sassandra, Ya Kwame Alphonse, planteur à Bouganda, Kwaku Yao Lambert, commissaire à la police judiciaire, père de la mariée. Je m'en vais vous informer que désormais en Côte d'Ivoire, il y a trois régimes de mariage. Il y a le contrat de mariage, il y a la séparation des biens et enfin la communauté des biens. Vous avez le choix entre ces trois régimes. Si vous choisissez le contrat, vous vous entendez sur vos biens. Comment vous les répartissez déjà avant de venir devant nous ici. Et vous pouvez signer votre contrat pour 5 ans, renouvelable si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, ben au bout des 5 ans, ben on se dit au revoir.
Et puis, il y a la séparation des biens et la communauté des biens. Le couple a choisi comme régime matrimonial la communauté des biens. Alors, les choses ont changé. Avant, on leur demandait devant vous, mais maintenant, ils viennent nous dire, nous, on vous informe. Donc, il faut applaudir. Merci beaucoup. Article 45. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 51. La famille est gérée conjointement par les époux. Dans l'intérêt du ménage et des enfants, ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 52. Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des époux ne s'acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Ça, c'est gros français. Alors, ça veut dire quoi? Chacun donne un peu pour que la famille puisse vivre. Si M. Kouadio ne veut pas donner l'argent, madame se rend à la justice pour aller voir le juge. C'est vice-versa. Jean-Paul Kouadio et Mademoiselle Afouele Apoli, veuillez vous tenir debout. Monsieur Jean-Paul Kouadio, consentez-vous à prendre pour femme devant vos témoins Mademoiselle Afouele Apoli, ici présente. Aujourd'hui et pour toujours, oui. Mademoiselle Afouele Apoli, consentez-vous à prendre pour mari devant vos témoins Monsieur Jean-Paul Kouadio, ici présent. Jean-Paul Kouadio et Afouele Apoli, au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Monsieur Kouadio,
vous pouvez embrasser Madame Kouadio. Conseil municipal, les documents du mariage. Il s'agit de deux copies de l'acte de mariage. C'est l'extrait de naissance de votre mariage. Si vous en voulez, contre paiement de timbre, nous allons vous en fournir. Il y a également deux copies du certificat de célébration, civile. C'est votre diplôme. C'est ce document que vous présenterez à l'église pour dire que nous venons de la mer. Il y a deux enveloppes. L'une adressée à monsieur le maire de la commune du Plateau. Qui est né au Plateau? C'est vous. Alors, sous huitaine, vous avez eu une semaine pour déposer ces documents à la mairie du Plateau, afin que, en marge du registre des naissances, soit marquée la mention est mariée. Ça progresse pas, champion. Pareil, la deuxième enveloppe est adressée à monsieur le sous-préfet de Kouadio-Blé-Cro. Vous faites la même chose. Enfin, nous avons le livret de famille. Après cette célébration à la salle de mariage de la mairie, le couple Kouadio, en compagnie de l'équipe municipale, les parents, amis et connaissances, a dansé de la salle jusqu'à l'esplanade de la mairie pour quelques séances photos pour clore la première partie de cette cérémonie de mariage.
Dans un très long cortège, le couple Kwadio et ses invités ont quitté l'hôtel de ville de Lakota pour l'église pour les uns et pour le lieu réservé à la séance photo pour les autres. Des photos ont été seulement autorisées au couple, à son protocole et à ses dames d'honneur. Passé cette étape, le cortège du couple Kwadio a pris le chemin du temple Nazareth de l'église méthodiste unie des Côtes d'Ivoire, section Lakota, où attendait l'ensemble des fidèles et le corps pastoral de cette église. Tandis qu'une grande joie se lisait sur certains visages dans le temple comme dans la cour de l'église, d'autres marquaient des signes d'étonnement car le mariage du couple Kwadio était une première dans la vie de l'église méthodiste unie des Côtes d'Ivoire, Temple Nazareth de Lakota. L'arrivée des mariés, leur entrée et celle du corps pastoral dans le Temple Nazareth ont été faites dans une ambiance à la dimension de la cérémonie.
Après la mairie, je suis maintenant à l'église. Je bénis le nom de l'Éternel. Chacun de nous et permet que le culte que nous allons célébrer puisse être digne de toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Il s'en est suivi un message sur les responsabilités de l'homme et la femme dans un foyer. Un message livré par le pasteur local de cette église sonnant comme des orientations au couple Kwadio. L'apôtre Paul, dans son parcours, son voyage missionnaire, est arrivé dans une de ses églises appelée Éphèse. Ainsi, cet apôtre a eu cette charge venant de Dieu en vue de les exhorter, de les encourager sur un certain nombre de choses relatives à leur marche chrétienne, au nom desquelles nous pouvons citer marcher dans l'amour du Christ, vivre dans la lumière, marcher avec sagesse et modération, être rempli du Saint-Esprit. Les principes d'autorité et de soumission dans l'Église, mais aussi dans la société et dans nos ménages. Après avoir donc ici établi le principe de la soumission, verset 21, l'apôtre Paul l'applique d'abord aux épouses. Aux épouses, en les disant, femme, soyez soumise. Est-ce que quelqu'un peut dire à une femme juste à côté de lui, femme, sois soumise. T'es sûr que tu as parlé? Voilà, tu sais. Femme, sois soumise. Alléluia. Femme soit soumise. C'est l'ordre catégorique que l'apôtre Paul applique à toutes les femmes, quelle que soit leur compétence intellectuelle, quelle que soit leur éducation sociale, familiale, quel que soit leur background, quelle que soit leur maturité spirituelle, l'apôtre Paul s'adresse à elle en leur disant, femme, sois soumise. Ainsi, la soumission dont il est question est de respecter le mari en lui apportant toute l'aide nécessaire en vue de l'harmonie dans le foyer, qui se fonde. Dieu donc, à travers les propos de l'apôtre Paul, invite les femmes de tout âge mariées à respecter, à être soumises à le mari. Je vais te poser la question pour toi qui vis en couple. Femme, est-ce que tu es soumise à ton mari? Tu es soumise? Bon, si tu ne réponds pas, ça veut dire que tu as compris. Alors, Dieu confère à l'homme l'autorité sur la femme. Cette autorité que Dieu confère à l'homme n'est pas pour l'écraser. Donc, je m'adresse à toi. Ce n'est pas pour écraser la charmante belle femme qui est juste à côté de toi. Ce n'est pas pour dire c'est moi qui suis l'homme.
c'est pour l'aider à être soumise. Ce n'est pas pour dire, après moi, il n'y a personne, c'est le feu. C'est dans tout amour que tu dois exercer cette autorité. Cette autorité s'étend également au niveau des employés dans les entreprises, dans nos maisons, à travers l'éducation à donner à vos enfants, à vos enfants. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il t'accorde cette intelligence dont tu as besoin pour éduquer la famille. Cette autorité que le Seigneur te donne, ce n'est pas non plus pour faire du mal, mais c'est pour faire du bien à ta chair et tante et épouse. Femme, sois soumise. Madame Guadio, Dieu t'invite à être soumise parce que chaque jour suffit sa peine. Parfois dans le foyer, il y aura des orages, il y aura des tremblements, mais le Seigneur demande à ce que la femme soit soumise dans le respect pour parler à ton mari. Je disais que ce sont juste des conseils à promulguer aussi bien à l'homme qu'à la femme. Monsieur Guadio, je m'adresse encore à vous. Votre responsabilité, selon les Saintes Écritures, c'est de pourvoir aux besoins de la famille. C'est de pourvoir aux besoins de la famille, apporter gîte et couvert dans la famille, de protéger les enfants, de protéger la femme, la famille, selon la capacité de tes moyens, pour que vous soyez dans votre Éden. Alléluia. Amen. Pour que vous soyez dans votre Éden, dans ce arbre de paix. C'est d'initier aussi des cultes familiaux. Bon nombre de familles dans l'église en général ne se retrouvent pas pour des prières matinales. Alors que le Seigneur nous invite dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, à enseigner, à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi, le culte familial est un créneau ou une fenêtre que nous pouvons exploiter pour éduquer nos enfants. Et bien parfois, nous sommes étonnés que nos enfants soient des bandits et des bandits de grand chemin. Parce que quelque part, nous avons raté l'éducation de nos enfants à la maison. L'éducation des enfants donc commence à la maison et non ailleurs. Femme, il faut éviter les petites disputes à n'en point finir. Madame Guadio, il faut éviter cela. Il peut arriver, comme je le disais tout à l'heure, des tensions. Mais il faut savoir raison garder, amener ton mari à la raison. Ta responsabilité en tant que femme et le conseil, c'est d'éduquer les enfants parce que les 90% de la journée, le monsieur passe là dehors, c'est-à-dire au travail. Ainsi, l'éducation de l'enfant repose sur ou qu'elle vient de la femme. C'est pourquoi quand l'enfant est mauvais, elle ne dit pas c'est la femme qui a éduqué, c'est pas ça, bravo, vrai. Mais quand c'est bon là, les hommes se gonflent la poitrine, bravo, vrai. C'est mon enfant qui est là.
c'est la femme. Nous pensons que dans le foyer de Guadio, il n'en sera pas ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons également que dans nos foyers, il n'en sera pas ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont ces conseils que vous nous proposez au couple Guadio qui très bientôt entrera dans les grâces maritales. Pour nous autres qui cherchons de qui nous sommes la cause, demeurons en prière. Soyons sereines. Je parle de nous les femmes qui prions de nuit comme de jour pour savoir de qui nous sommes la cause. Le Seigneur a un plan pour tous et Dieu aussi a un plan pour vous. Alléluia. Pour vous les hommes aussi qui cherchez votre cause. Le Seigneur aussi est fidèle. Il est aussi avec vous. Mais donnons donc en prière et Dieu agira en son temps. Car il a dit il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui c'est le jour, n'est-ce pas, du couple Guadio. Mais demain, je prophétise qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Et demain, je prophétise qu'il en soit ainsi de même pour toi au nom de célébrer aussi ton mariage. Que toi aussi tu rendras tes mariages. Parce que le Seigneur te touché. Que le Seigneur bénisse le message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans transition aucune, ce message a fait place à la bénédiction nuptiale précédée de plusieurs engagements devant Dieu et les hommes conformément aux méthodes de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Cette phase a été conduite par le pasteur régional de cette Église. Je vous invite à vous présenter à Dieu en prière. Veuillez vous tenir debout. Dieu Tout-Puissant, devant qui tous les cœurs sont ouverts, tous les désirs sont connus et devant qui aucun secret n'est voilé, je te remercie d'avoir favorisé notre rencontre, d'avoir fait partie de nos deux vies et habitudes de vie issues des deux familles différentes. Une seule et même maison, un seul foyer et pour toutes les grâces excellentes dont tu ne cesse de nous combler jour après jour. Purifie les pensées de nos cœurs par la présence de ton Saint-Esprit afin que nous puissions t'aimer parfaitement. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, toi qui rends nos vies à la fois prévoyantes et ouvertes à l'aventure, nous voulons à l'aube de cette nouvelle vie et de manière responsable, te dis merci, je te rends grâce et te glorifie pour ta volonté qui est en train de s'accomplir en nous. Veille faire, Seigneur, de notre nouvelle vie
une véritable célébration dans laquelle tu nous apprends à nous pardonner, à nous supporter et à parfaire notre union. Aide-nous à nous éloigner des erreurs et à demeurer toujours en ta présence au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quadio Jean-Paul, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour femme et épouse Poli Afoué Léa ici présente. Oui, je le déclare. De vivre avec toi dans la vérité, de te protéger eux, renonçant à toute autre femme, renonçant à toute autre femme, de me coller à toi seul pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, pour être lié à toi et t'aimer, de te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Suivant le commandement de Dieu, je te promets de veiller à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Toi, Jean-Paul, mon amour, mon trésor, doucement. Mon bien-aimé, l'élu de mon cœur, celui qui me comprend, celui qui me fait confiance. Mon bien-aimé et Marie, je promets de t'aimer, de te chérir, de t'honorer, de te respecter, de vivre avec toi dans la vérité, de te protéger et renonçant à tout autre homme, de me coller à toi seul pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse
et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, pour être lié à toi et t'aimer, de te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Suivant le commandement de Dieu, je te promets de veiller à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Amen. Mariage, portez désormais comme garde de votre nom l'anneau qui le rappelle. Saint-Esprit. Amen. Je te donne cet anneau en témoignage de l'alliance que nous contractons, toi et moi, en ce moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désormais, vous n'êtes plus deux, mais un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Amen. Thank you.
La partie religieuse de la première journée de cette cérémonie de mariage s'est soldée par une prière de l'ensemble des fidèles à l'endroit du nouveau couple. Place a été faite ensuite à une sortie du temple bien organisée sous la conduite de la fanfare invitée pour la circonstance pour la dernière partie de ce samedi 13 novembre 2021, première journée du mariage. Partie consacrée à la réception des invités pour un déjeuner qui a eu lieu dans la cour de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, Temple Nazareth de Lakota.
après l'installation des invités, le temps et l'espace ont été donnés au chanteur Biraka Naomi pour sa première prestation avant de passer à table.
Ce passage de Biraka Naomi a fait place au déjeuner. Un déjeuner composé de plusieurs plats dégustés par toute l'assistance pour retenir un autre aspect positif de ce mariage. Régalé, le couple Kwadio s'est mis dans ses différentes tenues confectionnées pour la circonstance pour célébrer ce moment inoubliable de son histoire. Thank you.
autres prestations artistiques a suivi cette étape de la cérémonie. Celle de l'évangéliste et chanteur Eugène Nyamien, un autre invité du couple. Jésus, compagnon. Les femmes d'honneur et les garçons d'honneur. Jésus, compagnon.
L'avant-dernière étape de la première journée de cette cérémonie de mariage fut la remise des cadeaux au couple. Des mains chargées comme un seul homme, parents, patrons et collègues de travail, amis et connaissances ont grandement exprimé leur joie de vivre la consolidation de l'union entre Jean-Paul Kouadio et Afoué Léa Koli. Ils ont offert plusieurs dons en espèces et en nature au couple. Thank you.
une Lucane a été ouverte pour une autre prestation artistique permettant l'installation du gâteau de ce mariage. Ce sont des chantres Biblo, Ongwa Emilie et Beraka qui ont animé cette phase par des cantiques qui ont encore fait danser le couple et l'ensemble des invités.
Thank you.
Passé ce moment de danse, le cap a été directement mis sur la coupure du gâteau. Une coupure faite dans une autre forme d'ambiance très électrique sous un format comique. Bisous, nana, levez la caisse, c'est ça.
fais un peu d'applaudissements. Mesdames et messieurs, applaudissements. Applaudissements pour eux. Monsieur Quadro, il aimait ça, hein. C'est par cette cour qu'on prit fin les festivités de la première journée de cette cérémonie de mariage entre Jean-Paul Kouadio et Afueléa Koli, journée au thème de laquelle l'on n'a eu que des impressions de satisfaction. Je me nomme Kabla Kabla Félix, PCFA de l'église locale Nazareth, PCFA du Sud de Lakota. Je suis prédicateur laïque en titre. Il faut dire que c'est le premier mariage que nous célébrons dans notre église. Et je pense que c'est une réussite. La fête a été belle. Ce que nous pouvons dire aux autres, nous voulons exhorter ceux qui ne sont pas encore rentrés dans les liens du mariage, de se marier, parce que la Bible exhorte que chaque homme se marie avec sa femme. Au niveau de l'Église méthodiste unie, il faut être marié afin de pouvoir briguer des postes de responsabilité au sein de l'Église. Donc nous exhortons tous ceux qui ne sont pas encore mariés de suivre le pas, l'exemple de ce couple Kouadio. Que Dieu bénisse le couple Kouadio. Et que Dieu suscite encore de nouveaux mariés au sein de la communauté. Je suis imam de Gragba Dagoulilé. Je suis venu le mariage. Bon, nous sommes très contents de venir le mariage de Lakota. Donc, Dieu n'a qu'à nous bénir, nous garder pour beaucoup d'argent, moins de problèmes. Amen. Donc, vous allez très bien. Je me nomme Yatoubra Assalé, l'aîné du marié, Kouadio Jean-Paul. Je suis là avec les frères et sœurs de la famille Agama de Bois-Dicro, parents du marié, dire merci aux uns aux autres qui a eu à faire le déplacement jusqu'ici pour célébrer aujourd'hui ce jour glorieux de notre frère. Nous tenons vraiment à dire merci à tout un chacun et que le Seigneur accompagne les mariés dans tout ce qu'ils ont. Entreprendront que le succès, le bonheur, la joie, leur salaire partage au nom du Saint-Nom. Je dis encore merci au nom de toute la famille de Bois-Dicro. C'est Tiekou Assobla Patricia, Ali et Pé Divo 3, avec autour de moi les collègues de la mariée. En tout cas, la cérémonie s'est bien déroulée. L'ambiance était forte, chaleureuse. En tout cas, nous sommes contents de notre collègue. On ne souhaite que du bonheur pour elle. Rien que... Si quelqu'un a quelque chose à dire. Non, il n'y a rien d'autre. Bon, un peu de choses à ajouter. Ce qu'on leur souhaite, tout le bonheur possible. Comme l'a dit le pasteur, nous sommes venus. À notre tête, il y avait notre chef qui est parti. Il nous a donné toute la caution possible. On dit merci. À notre collègue de nous avoir conviés à cette cérémonie. Nous repartons très satisfaits et que Dieu accompagne le reste. Je suis Kakou Nyonkou Evodi Charlotte, institutrice à Niembre. Je suis la responsable des hôtesses.
sinon la responsable des dames d'honneur. Vraiment, c'est pour nous une grande joie. Comme maman Léa nous a coopté pour que nous soyons ces dames d'honneur, nous n'avons pas hésité. Mes collègues et moi, nous n'avons ménagé aucun effort pour la soutenir. Et depuis plus d'un mois, nous étions au four et au moulin. Jusqu'à ce que ce jour J-là arrive. Vraiment, c'est pour nous une grande joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes réellement dans la joie parce que maman Léa, c'est une personne exceptionnelle. C'est une personne extraordinaire. Et vraiment, c'est pour nous encore une joie de l'honorer comme il le faut parce qu'elle le mérite. Depuis hier, dans les préparatifs, jusqu'à la mairie aujourd'hui, l'église est encore à la réception. Vraiment, mes collègues et moi, nous avons été formidables. Très formidable. Malgré les intempéries, malgré les petits bobos que nous avons eus, mais nous nous sommes efforcés. Vraiment, nous avons tenu le coup. Donc vraiment, nous disons gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Vraiment, nous célébrons le nom de Dieu parce que ça a été une réussite totale. Amouange Michael, je suis avec Ouattara Seriba, avec Corné Alphonse et Kwaku Franck. Il faut dire que le frère Jean-Paul, le couple Jean-Paul nous a convié depuis ce matin à une très belle célébration de la mairie en passant par l'église jusqu'à la réception. Dieu même était au rendez-vous, le temps était clément, tout était parfait. On profite de l'occasion pour souhaiter un bon ménage au couple, que cette belle célébration soit à l'image de la vie qu'ils vont vivre. En tout cas, que Dieu les bénisse et que vraiment tout le monde, nous sommes très heureux d'avoir participé à ce mariage en tant qu'organisateur et en tant que ses amis qui l'ont accompagné. Je suis Samuel Bayero, chef de service communication de l'inspection de l'enseignement préscolaire primaire de Divo 3. Nous sommes donc venus depuis ce matin pour soutenir notre économe. Une forte délégation de l'amicale de l'IEP Divo 3 est arrivée et cette délégation est conduite par M. l'inspecteur, M. Michel Bois. Nous étions heureux de prendre part à ces festivités et nous souhaitons un heureux mariage, une vie de couple soutenue par le Seigneur. Nous souhaitons bon vent à ce nouveau couple, que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse l'IEP Divo 3 et toute la drainette de Dulon-Guibois. Le dimanche 14 novembre 2021, deuxième journée du mariage. Les choses commencent par un culte spécial au temple Nazareth de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, Lakota. Le tout premier culte de cette église locale dont la spécialité est due à un mariage. En présence du couple, le culte a respecté sa liturgie habituelle. La présence du couple Kwadio a fait la spécialité de ce culte au cours duquel les différents groupes de l'église ont offert leur don au couple dans une très grande louange conduite par la chorale locale.
La deuxième et dernière partie de cette journée a été un autre déjeuner offert par les deux familles au couple. Ce déjeuner, qui a été un moment de louange sous la conduite des chantres Biblo et Ngoa Emily, a mis un terme à ces deux jours de célébration du mariage du couple Kwadio. Yeah, Dilia con Anjoise, et bien Dilia Nostro, et bien Palais Nostro.
De ta vie, tout peut basculer, mais garde toujours la tête haute, car de ta chute viendra ta gloire. Pasteur Nguessan Etienne, et bah, fulgence voici, sois salué depuis la douane. Depuis un moment, tu ne fais que te soucier, parce que tout va mal pour toi. Le chaman ici, autour de toi, tout le monde prospère, autour de toi, tout évolue. La situation est la même, je n'ai pas oppressé. Brillait dans le monde, il a eu droit sur le cœur. C'est ainsi qu'il a commencé à te combattre sans être fatigué dans ton travail, dans ton projet, dans ton ministère, dans ton foyer, pour te mettre à zéro. Yeah.
le groupe Biblo. Bambi Tieté. Andy Meno, la rangère. La vie est dedans. Hey! Comment Dieu, Jésus et Satan, mes amis, selon vous, il va gagner. C'est Jésus qui gagne. Qui gagne, qui gagnera toujours. Comment Dieu, Jésus et Satan, mes amis, selon vous, il va gagner. C'est Jésus qui gagne. Qui gagne, qui gagnera toujours. Ah, primazo, primazo, primazo. Jésus a gagné 4 à 0. Il est fort, il est puissant. Mais tu veux pas reconnaître ça, et Satan. Oh. Jésus a gagné Satan, et Satan mourira. Et après, il est revenu, qui est Jésus. Vraiment, tu m'as gagné. C'est pas grave, mais on n'a qu'à peser deux fois. Alors il s'est mis à se peser. Les coéquipiers de Satan étaient l'esprit de mort, la sirène des eaux, le dragon, le mal de nuit et les sorciers. Donc Satan était vraiment confiant. Du côté de Jésus-Christ, il avait seul le soutien de Dieu. Alors Satan envoya l'esprit de mort, la sirène des eaux sur la balance. Le compteur marquait 150 kilos. Ensuite, il envoya le dragon, le mal de nuit et les sorciers sur la balance et pesa 150 kilos. Satan très fâché, il se gonfle et se met sur la bascule, lui pèse 366 kilos. Du côté de Satan, le total faisait 666 kilos. La marque du diable. Voilà le coup de Jésus. On envoya la bascule américaine. Jésus bloque le compteur. Ensuite, la bascule française. Jésus casse le compteur. Enfin, la bascule chinoise. Jésus bloque. Ils ont superposé les trois bascules. Jésus bloque tout le compteur. Il n'a pas de limite. Mais Jésus n'a pas de limite. Mais Jésus est mort. Jésus n'a pas de limite. Maman Adèle Passy de la radio Côte d'Ivoire. Il a gagné Satan. Ils ont réveillé, il a gagné Satan. Ta famille a gagné Satan. À l'école, il a gagné Satan. Dans ton village, il a gagné Satan. Oh, bébé, sois fréquent.
Le couple Kwadio s'est prononcé au micro de notre équipe. Il a fait l'historique de sa relation couronnée par ce mariage avant de traduire sa reconnaissance non seulement aux invités, mais aussi et surtout à Dieu pour avoir permis ce moment. Le couple Kwadio a également prodigué des conseils à tous ceux qui vivent encore hors des liens du mariage. Cette union date de 2004. 2004, en ce moment, je venais d'avoir le bac et je partais prendre des renseignements pour pouvoir passer le concours de l'INFAS. Et c'est en ce moment-là que lorsque je suis allée à Trècheville, que j'ai rencontré une camarade de classe. Elle était déjà en formation à l'INFAS. J'ai vu aussi son frère du nom de Laurent, qui lui aussi, je l'ai connu au moment où j'étais en première année de terminale. J'étais déjà en formation de l'INFAS. Et c'est en ce moment-là que j'ai fait lui sa connaissance. Et c'est depuis ce jour, on a échangé les
numéro et c'est depuis ce jour que les choses se sont bien passées jusqu'à aujourd'hui. Ce jour, depuis le 13 novembre jusqu'à aujourd'hui, 14 novembre, je suis dans la joie parce que mon mari m'a célébré, mon mari m'a honoré. Je voudrais dire à mes soeurs, mes petites soeurs, même à mes grandes soeurs qui jusque-là ne sont pas encore mariées, qu'elles ne perdent pas d'espoir. C'est Dieu qui programme tout, c'est Dieu qui a le plan de chacun de nous. Même étant célibataire, qu'elle reste calme, qu'elle reste tranquille, et Dieu va faire tout ce programme pour elle, pour qu'elle-même elle puisse être célébrée comme le Seigneur a permis ce jour-là pour moi. Vraiment, c'est un sentiment vraiment de joie, très heureux pour tout ce monde qui est arrivé pour donner un sens à ma cérémonie. Je suis très content. Je n'ai qu'à leur dire merci. Merci que Dieu même les protège. Ce qu'ils ont pu donner comme cadeau, là où ils ont pris, que le Seigneur même multiplie ça par 3 et que le Seigneur même leur donne la force. Là où ils sont quittés aussi, que le sang du Seigneur Jésus soit versé sur leur chemin à ce qu'ils arrivent sains et saufs à leur lieu de destination. Oh, vraiment, cette cérémonie de mariage est une cérémonie très, très importante dans la vie d'une personne. Vous savez, dans la vie d'une personne, il y a 3 choses. La naissance, les gens se manifestent, ils font des fêtes, on ne voit pas dedans. La deuxième chose, elle est très importante, c'est le mariage entre 2 personnes, une femme et un homme. Maintenant, la troisième chose, c'est la mort. Nous ne voyons pas, quel que soit ce qu'ils vont faire derrière nous, nous ne verrons pas. Donc, cette cérémonie est une cérémonie très, 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 très importante pour nous. Si j'ai des notes de remerciement à faire, ça sera à l'endroit de Dieu. Parce que c'est lui qui a permis à ce que cette cérémonie, en tout cas, se passe bien. Voilà, donc je dis merci à Dieu. Et merci à tous ceux qui sont venus parce que c'est Dieu qui leur a donné la force pour que vraiment ils puissent nous aider à réussir cette cérémonie. Donc je dis merci à Dieu, je dis merci à tous ceux qui sont venus pour cette manifestation. Et je dis aussi merci à Victoire TV d'avoir vraiment couvert cette, cérémonie. Voilà, sans vous, on ne pourrait pas vraiment, avoir des images suite à tout ce que nous avions fait. Donc vraiment, merci à Victoire TV et merci à son directeur. Thank you.